Et puis, curieux, tu sortiras rien. Non, ça peut être bon. Putain, ça me rappelle quand il m'avait mis trois broches du coude à l'épaule. Il m'avait foutu trois broches, j'entendais la perceuse, le marteau. Ah, parce que là aussi, ils m'ont endormi localement, tu vois. Parce que je suis parti en urgence et quand je me suis cassé la gueule en vélo. Et j'entendais tout ça. Heureusement, Mirmao, j'avais une infirmière devant moi. Je sentais presque l'odeur, dis donc. Affirma, c'est bien ça, hein? C'était bien passé, sauf ce qu'on l'apprenti. Là, c'était l'apprenti qui m'avait opéré, l'apprenti chirurgien. Et il m'avait laissé dépasser une broche de 1 cm et ça me l'a bourré l'épaule. Putain, ça, j'ai souffert longtemps de ça. Ouais, alors j'étais revenu, j'ai repris pour le voir là, ce con-là. Mais non, venez, on va passer la radio. Tu penses à la radio, on le voyait, hein, que la broche est passée. Et alors après, tiens-toi bien, il a fallu que je supporte ça un an. Ils m'ont enlevé les trois broches un an après. Alors tu vois, pour l'amour du vélo, hein, tu te rends compte de ce que j'ai été faire. Il aurait mieux valu que je reste à la maison. Hein. On t'en fait les misères. Papoulet, t'es là? Oui. Putain, il s'est rendormi, c'est pas vrai. Faut pas que je suis ouest, ça fait dormir. Alors elle, par contre, elle a une gueule comme une meule. Elle a déjà bouché, Natacha. Bon, mais je m'attrape un café, une petite minute, je vous prie. Oh, t'as encore de deux, hein. Ça fait pas mal. J'ai pas entendu hier, mais moi, vous êtes arrivé tard ou quoi? Parce que moi, après, je vais partir faire autre chose. Ah, c'est du boulot, bon, d'accord. Thank you.
Je te salue mon pompon, les amitiés. Je t'entendais plus. Ah, c'est pour ça que je m'en noté, alors j'ai changé de limite d'antenne. Adieu mon petit papio, j'espère que tout va bien. Ouais, tu me mets au parfum, là, qui c'est qui est malade? Oh merde! Oh, enfin, c'est pas bon ça. Ah, puis son chat, il va vachement loin de chez lui, hein. Alors ça fait chier, il faut passer à la radio. Alors je sais pas si un ordinateur pour s'occuper un peu, qu'il n'ait pas posé la question. Parce que quand il m'a appelé, il m'a pris le cours, j'étais en train de faire quelque chose. Hein. Alors voilà, on voit qu'il passe un bout de fil, c'est ça, ça lui fera plaisir. Oh merde, oui, comme tu dis, Mirmao, où il y a un petit bouchon par là, tu vas être obligé de mettre un ressort. Ça, il paraît que ce serait bien, il dit que ça se soigne pas. J'en sais rien, mais c'est rempourri. Hein. Alors apparemment, il se passe ça avec les béquilles comme il faut, parce qu'il me dit qu'avec les béquilles, il ne peut pas aller chercher le chat avant. Bon, c'est parce qu'il ne peut pas se servir. Parce que les béquilles, quand ils se servir, ça va presque fatiguer qu'une viande. Ouais, t'as qu'à demander à Pierrot. Lui, il sait s'en servir, il se casse la gueule chaque fois. Ah putain, moi, j'ai fait des années pendant des années. Et je m'en servais. Bon, c'est vrai, comme je l'ai dit à Guy, c'est vrai que j'avais 40 ans, hein, j'avais pas 76. Alors, forcément. Il y a un autre problème aussi, c'est que son chat est assez loin. Oui, c'est ça, il est loin, son chat. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller se là-bas. Alors, ça l'a emmerdé, il m'a dit qu'il n'y a pas aux copains parce qu'ils vont plus m'entendre dans le moment. Parce que si on lui met une antenne sur le toit de sa maison, on n'entendra pas comme on entend son chat. Je crois pas, hein. Alors j'ai bien peur que les mecs, qui font, nettoient
l'or avec le mercure, et puis se mettre au bord des lacs dans les petits coins, puis voilà ce qui est arrivé.